Il y a une phrase qui brille dans mon cœur.
Que l'une des sœurs chante puisse nous chanter le chant de la sœur Jeanne. Les chants des saints sont très succulents. Celle qui chantait lorsqu'on s'est dispersé déjà. Thank you.
Gardez la parole à eux. Et que la paix du Seigneur soit sur l'Ikolo, na moko, na moko. Et que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Et le Seigneur a pris ce qui sont pour en aller là, à Zoua Lokoum, qui est au bassin, qui vient à Nios. Que la gloire vienne au Seigneur, lui qui nous a donné le jour d'aujourd'hui. Nous sommes pour la capacité de nous trouver pour la montagne, mes âmes, et la paix si mon corps, mon corps, mon boulot. Nous-mêmes, de nos propres forces, nous ne pouvons pas nous réveiller, mais c'est le Seigneur qui a donné à tout et chacun cette journée. Ceux qui, tout le monde, m'attend bien à Bissot, en Dakou. Et si nous avions fait quitter nos pas de la maison de Dieu, pour arriver en ces lieux, l'Écriture les Orobas, l'Écriture dit, il n'est pas donné à l'homme de diriger lui-même ses pas. Mais qui s'y souce, les mouvements, elle est très la vie et où t'as fait pas ensemble. Pour n'y en a pas à l'issamapé, pour vous et où t'as ensemble. Non, ce qu'on y a mis le lingo, yéawa, c'est Dieu. Si tu te déplaces tel que tu es venu enseigner, c'est Dieu. Il est la patience. C'est lui qui t'a donné ça. Hein? Proverbe 16, 4, dit que Dieu fait tout pour un but. C'est Proverbe 16, 4, dit que Dieu fait tout pour un but. C'est pour un but qu'il t'a amené en ces lieux. Et il faut alors vraiment très prudent et puis aux plaquer attention à l'union sur tous autres. Il faut être très prudent et donner toute ton attention à ce que nous disons. Mais quand et que tes pensées ne soient pas dehors. Parce que c'est tout un combat aussi de l'ennemi. Parce que c'est tout un combat, celui des divagations des pensées. Azan a besoin de comprendre la parole. J'ai besoin que tu comprennes la parole. Donc l'ennemi Azan a besoin de comprendre la parole. Et l'ennemi n'a pas besoin que tu comprennes la parole. En gros, il faut toujours combattre intérieurement. Donc essayez pour vous dans la tête d'ailleurs. Ma pensée, où il y a ma calibanda, il y a mon salaire, le niveau salaire de ma réussite. Toutes les pensées qui t'amènent dehors les services qui se fait ici. Tout un texte, la mission. Nous lisons notre texte. Apocalypse 2, verset 14. Apocalypse 2, le verset 14. Et puis, on va dire ça, Jude aussi, verset 11. Et puis, nous allons rajouter l'écriture de Jude, le verset 2. 11. Aujourd'hui, Apocalypse 2, verset 14. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balak. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'il se livrasse à l'impudicité. Aujourd'hui, Jude. Prenons Jude. Le verset 11. Jude, le verset 11. En votant maintenant le verset 4 et puis le verset 11. Je lirai d'abord le verset 4 et puis le verset 11. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 11. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans les garements de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Que Dieu bénisse les lectures. Et à sa révolution grâce vraiment pour le Balaam. Et qu'il nous fasse grâce de parler comme lui il veut. Par la grâce du Seigneur. Et dans le lui en colo. Il faut croyer que Zam et Apessi ensemble les saintes paroles par sa grâce. Il faut savoir que le Seigneur a donné par sa grâce la parole à l'Église des saints. Tous ont mérité. Nous ne méritons pas. Et en moins de Rosala, il va orgueiller devant les autres personnes. C'est pourquoi nous ne serons pas des orgueilleux devant les autres. Parce que tu as vu que c'était une grâce. Oui, nous savons que c'est une faveur de Dieu. Et beaucoup plus nous allons implorer le Seigneur pour leur mauvaise position. Et c'est pourquoi quand Paul parlait
des ennemis de la mort. Des gens qui marchent pour le ventre. Alors il y a Philippiens 3. Il avait dit dans Philippiens 3. Écriture notre temps d'acquis le vendredi. Dans l'écriture qu'on avait lu la fois passée. Dans verset 18 et 19. Philippiens 3, le verset 18 et 19. Alors lui, je parle en pleurant. Dans ce moment, il y a un là. Azomona ma serviteur de Dieu mon corps. Il voyait certains serviteurs de Dieu. Bazo marchait pour les ventes. Bazali potambo la pona libumu na bango. Ils ont taille sur toujours ce qu'on appelle la cupidité. Dans le cosoto bolingo ya mbongo. Et en gros, ma serviteur wana bazali ibanda ya étiquette ya assemblée des saints. Et ses serviteurs n'étaient pas en dehors des assemblées des saints. Alors on va pas bazo assemblée des saints pour la porte. Ils se disaient toujours être des assemblées des saints comme la porte. D'ailleurs, bango ni participe qui va aussi contre Paul. Et d'ailleurs, c'était eux qui avaient suscité les tribulations contre Paul. Même dans 2 Corinthiens, on va en avoir chapitre 11. Même dans 2 Corinthiens, il est dit au chapitre 11. Ce retard en retard, tout le monde d'église, mon corps. Et nous le verrons lorsque nous entamerons chacune des églises par la grâce de Dieu. N'angolie en Zambé. C'est pourquoi il faut avoir l'amour. C'est pourquoi tu vas avoir l'amour en toi. Il y a beaucoup qui meurent dans le faux enseignement. Devant un aveugle pour s'arrêter tourner la tour. Il est écrit qu'on ne fait pas un trou devant un aveugle afin qu'il tombe. Un fils du royaume. Moi, je vais vous conseiller. Il faut vous proclamer la vérité dans l'amour. Il doit savoir proclamer la vérité dans l'amour. Que Dieu en tout cas vous bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Et la parole que nous avons, nous avons mérité d'elle. Et nous ne méritons pas la parole que nous avons. Dans tout ce que nous disons, c'est la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là surtout. C'est pourquoi je demande surtout. Ce que nous avons honoré la parole parfois, mais si tu veux honorer la parole avec ton argent, c'est bien de le mettre dans le panier. Et tu le mets dans le panier et c'est mieux. Nous honorons plus le Seigneur qu'un homme. Tu honores plus le Seigneur qu'un homme. Nous ne sommes rien. Ce qui te veut prononcer un mot, c'est par la grâce. Si nous prononçons un mot, c'est par la grâce. C'est la faveur du Seigneur. C'est la faveur que le Seigneur nous fait. Nous aimons toujours élever notre prince, notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes choses, qu'il puisse prendre place afin que nous puissions nous unir. C'est très important. Et c'est très important de nous. Donc, ces choses que nous aurons, ces choses que nous sommes en train de dire sur la doctrine de Balaam aussi. Il faut que tu comprennes que lorsque nous lisons les Écritures, au Monaki, dans le verset 12, il y a 2 Pierre 2 mines. Qu'est-ce qu'on avait vu au verset 12 de 2 Pierre 2? Ils allaient dans Batous, Babélamipé, Bassan, tout le monde a dit. Il y avait aussi certains parmi nous qui étaient appelés de ça. Mais, par manifester nature, il y a ma B. Il y a faux doctorat. Mais ils ont manifesté une mauvaise nature, un faux doctorat. Dans le faux docteur, les gens ont été dans le ministère et un doctorat. Donc, on dit le faux docteur, ce n'est pas particulièrement un docteur du ministère. Vous posez à la docteur. Tu pourrais être docteur. Vous posez à la prophète. Ou prophète. Vous posez à la évangéliste. Ou évangéliste. Apôtre. Apôtre. Pasteur. Pasteur. Mais quand tu enseignes mal, c'est ce que la Bible connaît le faux prophète, faux docteur. La Bible t'appellera faux prophète, faux docteur. Il faut y avoir l'appellation à la Bible. Tu dois savoir les appellations bibliques. Et donc, on a un système. La chose à laquelle j'insiste, le plus ça va juste, plus juste t'es à l'excédent, juste. Plus que les Écritures saintes. Il ne faut pas être juste plus que les Écritures. Les Écritures saintes, il y a un livre qui oriente à la mission. Ce sont les Écritures saintes qui nous orientent. Ce sont les Écritures de la distribution. Ce sont les Écritures qui nous ont montré. Il y a eu parmi les peuples en Israël des faux prophètes. Et qu'il y eut parmi le peuple des faux prophètes. Donc c'est que maintenant qu'il va être juif. C'est-à-dire que ces faux prophètes étaient juifs. Ma vraie aussi, Bazala Kenneth, Ba Jérémie, Ba Isaïe. Et il y avait aussi les vrais prophètes comme les Jérémie, Isaïe. Amos. Amos. Abdias. Abdias. Joël. Joël. Bazala Kenneth, Ba vrai. Ils étaient de vrais. Bazala Kenneth, Ba juif.
ils étaient aussi des juifs. Mais ma faux bébazalaki, il y avait aussi un faux, à part c'est vrai, bazalaki bébazalaki. Ils étaient aussi des juifs. Marmonion sont ensemble des saints d'Israël. Et tous étaient comme l'ensemble des saints d'Israël. Et parce que David a l'obaki, parce que David avait dit, il est terrible dans la grande assemblée des saints. L'assemblée a dit, sauf on a dit, sans la monnaie, il y a l'assemblée. Israël était une assemblée des saints. Israël était une assemblée des saints. Et c'est pourquoi la loi du Seigneur est pékisaki, une prostituée à Israël. C'est pourquoi la loi du Seigneur avait interdit la présence des prostituées parmi le peuple. Et Zalatana, un frère Théo Azobi, qui en avait une prostitution. Et qu'il n'y ait même pas un frère qui vit dans l'impudicité ou la prostitution. Dieu est saint. Et qu'il s'appelle aussi. Peuple est à la saint. Et qu'il veut aussi que son peuple soit saint. Mais aussi aujourd'hui. De la même manière aujourd'hui. Toi qui viens encore dans des impudicités. Et Azobi, qui en a pour ma bondouba. Il n'y a pas que c'est Dieu qui sonde le cœur et l'âme. Et sache que c'est Dieu qui sonde le cœur et l'âme. Il se peut y aller au côté. Et nous ne savons rien. Mais le Paul aux en dit si ta beauté m'en a. Mais quand tu ne fais qu'en dire si ton cœur. Ainsi que aux en a bien à communauté mon combo et à. Et que tu penses que tu es dans une communauté profane, je te promets que le Seigneur va te vaincre. Écoute bien, le Seigneur va te vaincre. Il forme un colomba. Je ne connais pas la forme dans laquelle je ressens seulement moi te dire que Dieu va te vaincre. Il a toutes les formes par lesquelles il pourrait te vaincre. C'est lui qui connaît toutes tes voies. Une autre personne peut le vaincre par la mort. C'est que si je le laisse, il va descendre dans l'enfer. Et que je puisse le frapper d'une maladie. Et qu'il soit alité en fait, qu'il se répande. Et qu'on prie pour lui qu'il aille se répandre. Avant. Et puis des cartes de la terre. Un autre, le Seigneur pourrait le vaincre. Et lui-même, quelque part, un partenaire sidatique. À permettre à conduire ma panne. Il permet qu'il puisse conduire tes pas. Donc, la canne à cave. Comme il avait déjà prévu la canne parce qu'il était beau. Le Seigneur a tenu une réunion. A posé question qui séduira la canne. Il pose la réunion aux esprits. N'a pas de sa canne. Le Seigneur cherchait qui allait envoyer pour aller faire des choses. L'esprit répond d'une manière ou d'une autre. Un esprit en mensonge. Il est devant les dieux saints. Il s'est présenté devant les saints. Moi, je le ferai. Le Seigneur a tenu pour ça. Le Seigneur a dit comment vas-tu procéder? Je sortirai tel que je suis. Et j'entrerai dans ces prophètes à l'esprit en mensonge. Et je serai un esprit de mensonge. Bénir mission. Et le Seigneur bénit la mission de l'esprit. Va qu'elle tire ici. Donc l'esprit va mentir. Tellement le Seigneur avait prévu de lui faire du mal. À permettre que mission là pour ici. Il permet que cette mission. Parce que à table n'écoutez pas. Toi de même l'enseignement. Seulement les amis. Les désordres. Tu vois personne qui nous a pas préparé un programme. Le Seigneur va faire un programme contre toi. Je te dis au nom de Jésus. Je te dis au nom de Jésus. Le Seigneur va te préparer un programme. Je répète encore au nom de Jésus. N'a pas dit à vous préparer un programme. D'accord, on t'a dit à vous. On est pas préparé à pas programme. Donc il avait préparé un programme contre Akabe Tango, Balobike, Abokene, guerre à Kolonga. Et les prophètes ont dit que tu vas à la guerre et tu verras. Ah, il mit très bien. Il a accepté les prophètes. Mais Josaphat a été ici. Mais Josaphat lui a dit. C'est pas ça pour lui, parce qu'il dit qu'il a n'y a-t-il pas d'autre prophète à part ceci? Alors, il reste un prophète. Mais alors, il n'a pas pris son malheur. Mais je ne parle pas du bien de vous, ce prophète. Mais tout à mon corps, il a son amour et qu'on dit qu'il s'aille. Cette personne a dit qu'il a les paroles qui lui sauveront. Sauvez-le pas, Michel. S'il avait écouté le prophète Michel, mais il serait sauvé. Mais Dieu n'a pas permis qu'Ayoka Michel. Mais le Seigneur a fait ça qu'il nous a dit Ayoka. Tant Michel est Koroba. Lorsque Michel veut lui dire. Tant Michel veut dire le même Koroba prophète. Lorsque Michel parlait de la même manière que le prophète. Là, Michel n'a pas ainsi dit le Seigneur. Là, Michel n'avait pas dit ainsi dit le Seigneur. Il a dit à Josaphat. Il a dit à Josaphat.
Dis la vérité, mon fils. Ne parle pas comme tout le monde, je te connais. Dieu assis son trône à son nom. Le peuple d'Israël sans péché. Il voit le peuple dispersé. Son roi Zaté. Il n'y a plus de roi à Kabaïsé. Attends, tu as écouté. Il ne parle pas du bien de moi. Alors que lui disait la vérité. Lorsque quelqu'un est déjà livré au mal, ce qui n'a pas permis de se répandre. Si le Seigneur ne permet pas sa parole, ça jamais ne sera jamais écouter les conseils de Dieu. Il sera plus sage que la parole. Il se sentira plus sage que la parole. Alors on attend ma péché parole à mes salons en bas. Lorsqu'on lui donne la parole, il s'est déjà habitué avec les gens. Ah oui, frère, ah, c'est le frère qui est en train de parler. Je le connais, c'est comme ça. Et ça pour que l'ennemi a utilisé la parole. L'ennemi utilise. On est utilisé la parole. On est utilisé la parole. Tu méprises ça. Un jour, ma territoire, mon Nazaré, on prêchait la parole. Un jour, je prêchais la parole dans un territoire. Nazaré, il fallait pour rendre grâce en Dieu en toutes choses. Je disais qu'il fallait rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alors, pas qu'il n'a qu'à auditoire, voilà. J'avais dit devant cet auditoire que même ce moment il t'a aux autres, même lorsque tu te rends aux toilettes et que nous sommes bien, il va pour rendre grâce à Dieu et que tout se fait bien, il faut savoir rendre grâce. On dit en toutes choses, et donc on y a sur les communes de l'eau avec les bâtons sous la poufaka par complication et constipation. Parce que notre mère par la les complications des constipations. L'assemblée, c'est qui? L'assemblée s'est moquée de moi ce jour-là. C'est vrai. Il y a solo Ranigani. Deux semaines après, frère Monko, un frère, constipation, la constipation l'a attrapé. Constipation. Il est comme ce jour occulte. Constipation. À quel endroit tu es hôpital? Donc il est allé jusqu'à l'hôpital avec la constipation. Abundani, a koufi. Ils se sont battus pour lui, mais il est mort. La solo Ranigani, comme on est sur il était à ce culte-là dans le sang. Allez aux toilettes. Il était mort. Je crois que Jésus était mort. Quelqu'un qui m'a béni. Quand Dieu dit, rends grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Les oignons sont. Et ça, bon, c'est comme ça. Na, et là, son il faut faire très reconnaissant. Et c'est lui pour tout. Lorsque tu vois ta main bouger, je donne toujours cet exemple. Et là, partout, tu as fait un coma parfois 10 ans. Il y a d'autres personnes qui ont 10 ans. 20 ans. Vous savez, il y a la tête. Et le doigt ne bouge jamais. Le jour où il va bouger. Information. L'information va véhiculer la bouche. Il a fait boucher les doigts ce jour. C'est là que dit pour bouger, vous savez, agité. C'est là que dit boucher les doigts, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Le jour où on a un simple, le jour où on a un simple, le jour où ça, c'est que si Dieu a l'unité au bouger, si le Seigneur ne veut pas que tu bouges les doigts, tu ne vas pas. Il faut qu'on puisse aller place en aïe. Il faut lui donner sa place de Dieu. C'est ça. Pourquoi je te dis que le Seigneur a pour vaincre pour la boulimou et ensemble. C'est pourquoi je dis que le Seigneur va te vaincre pour la boulimou. Parce qu'il t'aime. Lorsque Akab partait, Asilika qui déjà contre Michel, il s'était déjà fâché contre le prophète. Lui battu à Michel en prison. Il a dit qu'on puisse mettre Michel en prison. Et les soldats attrapaient le prophète pour les jeter en prison. C'est dans 1 roi 22. Ils ont quand un prophète. Donc ils ont pris le prophète à la maman de côté. Mais le prophète de faire le chemin. Avant d'être en prison, il l'allait en prison. Avant que ça roi, il y a eu. Attends, sans mon famille, tu retournes. Romain à sa polarité. Dit que Dieu ne m'avait pas parlé. Bon, sa condition va dans la vérité, on va pas la roi. Là, un prophète est dans la vérité, il ne va pas craindre le roi. Ah oui, lui, ça y est, il lui dira la vérité. On donne qu'on puisse aller. Mais il a dit encore. Sokozongi. Si tu retournes,
Si tu continues à lire, on explique ce piège.
les impies d'y citer, à dire amour de l'argent, des paroles enflées, des vanités. Ces serviteurs-là peuvent prêcher. Mais tu ne sens pas la parole. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vois dans ce temps? Bible le dit, verset 18. La Bible dit au verset 18. Avec des discours enflés de vanité. Namate a été disama na matawa pamba. Donc avant livré na yamour. Donc il est livré à ces choses-là. On s'en rend mal. Tu suis attentif. Ce sont des pièges. Les habitants de la terre. Mais vois à la prise. Essayez la zone à l'habitant. Et écrite. Et puis après, puis ça va en soutenir. Donc c'est que Aza destiné à se repentir. Donc il est destiné à ne pas se repentir. Là c'est Pierre, là au dernier. Là c'est Pierre qui prêche ainsi. Jude aussi a prêché même. Et Jude aussi a prêché de la même manière. Azoté Azoroba, vous voyez. Il prêche en disant ceci. Et tout cela, enseignement, c'était ce que Jésus avait dit dans Matthieu 7. Jésus a l'ombaki dans Matthieu 7 à partir du verset 15e, dit même dans 20e. Jésus avait dit à partir du Matthieu 7, 15 jusqu'à 20. Attendez-moi encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le dis encore au nom de Jésus-Christ. Parce que l'enseignement, il faut évanouir. Parce que tu as maîtrisé l'enseignement. Par la grâce de Dieu. Parce que nous avons quelqu'un. L'assemblée des saints, tous les serviteurs sont vrais. L'assemblée des saints, d'ailleurs, Pierre, Matthieu, Ignon, Sobazabien. L'assemblée des saints du temps de Pierre, c'était pas tous les serviteurs qui étaient vrais. Même lorsque Jude prêchait la parole. Même quand Paul a voté. Même lorsque Paul aussi prêchait. Ah, non, ces gens-là, Matoa, sont les faux apôtres. Bah, ça n'est pas Thomas le Kouta. Bah, ils étaient aussi les frères des églises des saints. C'est dans ta Bible bien-aimée. Il faut veiller l'écriture de Dieu. Tu dois veiller aux saintes écritures de Dieu. Dans ta mi texte, il y a Christ et Jésus. J'ai lu le texte. Dans Matthieu 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vêtements de brebis, c'est tout un enseignement. Les vêtements de brebis, ça dit la question. Donc, quand Bazo est là-dessus, brebis, lorsqu'on parle de la brebis, Bazo Mona, le lingue à obéissance. On voit la nature de l'obéissance. Donc, nous tout temps, Bakéli, apparemment, Bamonika s'est répandu. Donc, lorsqu'on l'a prêché, apparemment, il s'est répandu. Bamonika a vu baptême un peu la main. On a remarqué qu'il s'est fait baptiser dans l'eau. Bamonika a vu persévérer. On voit aussi la persévérance en lui. Abelani Petre. Il est aussi appelé frère. Akoli, Akoli, Ti, Nakatia Batu. Donc, il a aussi grandi parmi les gens. Abelani aussi. Il est aussi appelé parfois disciple. Mais nous, il est homme capable. Donc beaucoup plus selon toi qu'au cas. Paul à l'Oba qui sait que tu as réussi, toi, ministre. C'est que Paul avait dit, oh, il est monté aussi. Confié à des hommes capables. Aussi d'enseigner à d'autres. Des hommes capables. C'est que, oh, il y a beaucoup. Comme aujourd'hui, nous allons consacrer les gens pour l'œuvre de Dieu. Celui à qui on peut imposer les mains, ce n'est pas qu'il a reçu un grade. Quand il a reçu un grade, c'est fini, il est détruit. Les faux docteurs, c'était seulement les serviteurs des églises, je sais qui les avaient élevés. Comme pas vrai. Le coup là, il y a son. Mais l'avenir. Mais dans l'avenir, ils se sont révélés des faux serviteurs parmi. Et puis, tout autant, ils sont aussi. Et puis, ils nous montrent aussi. Vrai, il y a aussi des vrais serviteurs. C'est la parole. Les amis de l'Assemblée. Vous en avez un, tu suis attentif. Les vrais sont là. Il y a solo que ma salle. Mais tant que nous faisons un service, mais lorsque nous faisons des services, quand il y a service, il y a consécration. Dans il y a Aaron. Les consécrations d'Aaron. Dans une abondance, par la grâce du Seigneur. Parce qu'il faut y par la parole. Parce que tu dois maîtriser la parole. Dans Exode chapitre 29, bien verset 22. Exode chapitre 29, le verset 22.
Exode 29, le verset 22. Exode 29, le verset 22. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. En tant qu'il a compris l'Esprit. Qui prendra la graisse du bélier? Au bout de ma foot, il y a même un bal. La queue, la graisse qui couvre les entrailles. Ma foot, les amis, aussi parmi ceux qu'on a. Les grands lots de foie, les amis, nous sommes les deux rognons et la graisse qui les entoure. Rognons les balais, paix, ma foot, les amis, aussi. Et les portes droites, car c'est un bélier de consécration. Oui, les amis, même à mon bal, il peut n'avoir beaucoup lit. Au moins, n'a pas de consécration. Vous voyez dans la consécration. L'élément que je prends ici est la queue, et qu'il y a la queue dans la consécration. Et Zoromani, qu'est-ce que cela veut dire? Présence à queue, la présence de la queue, et autres à Aaron et ses fils. Cela représente Aaron et ses fils. Bokoni Baboi ensemble. Vous êtes devenus des serviteurs ou des esclaves du peuple. Dans ma piasuka. Dans des derniers. Les bâtiers que. Alors Dieu a ordonné qu'il y ait la queue. Aux enfants, vous suivez attentivement. Biloko les alakanakati. Donc des choses, des éléments qui sont dans la consécration. Et taille sacrifice. Donc représente donc les enfants. Christ. Représente le Fils. Aux enfants, Christ. Il y a la loi qui fait sortir les pères. Naouti na bini na. Donc ça, biloko akati. Donc il est comme les choses de l'intérieur. Mais il a entouré la graisse. Il est entouré de la graisse. Graisse, mais il a la loi dans lui. La graisse que m'en fout à la L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon livre de santé, c'est le Imawan. Il m'a sorti du sorti libère. Il est sorti libère. Les entrailles, Maza, entouré la graisse. Entouré de la graisse. Mais graisse, on ne faut pas voir pour être comme à Aaron et ses fils. Mais la graisse, on doit la prendre pour être, pour appartenir à Aaron et ses fils. Et lui, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on consacre quelqu'un, lui que nous avons vu sur la tête du Christ Jésus, il doit aussi venir chez les serviteurs comme ça. Oui, on a dit pour Pesagina Esaïe 11. Et c'est lui là qu'on avait parlé l'autre fois de Esaïe, verset 2 à 5. À partir du verset 2 jusqu'à 5. C'est très important. Esaïe, mon Dieu, à ma casse. Et, basons, on a l'épaule. On voit l'épaule, le péta. Et vous arrêtez pour t'apporter dans mon salaire ministère, Mazana, immaturité. Il ne peut pas se faire que tu es consacré, mais très immature. Alors qu'il dit qu'il quelque part, il écoute un problème quelque part. Amenez un jour côté vous. Il amène dans l'autre. Vraiment, ma frère. Vraiment, c'est frère. Je vous dis sinon, je ne voulais pas parler, mais m'a irrité. Continuez. Il y a des gens qui pêchent à cette église. Où est l'épaule? Où est l'épaule? Parce que quand vous êtes dans la consécration, il faut l'épaule. Il faut qu'il y ait l'épaule droit dans la consécration. Bonjour, Anamana. Je suis pas attentivement. Dans la consécration, bien-aimé, il faut y avoir bien que tu dois bien savoir contestation est à la parole. Contestation n'est pas mauvaise et c'est la parole de Dieu. Aaron était contesté. Aaron a battu les mélanges. Ce n'est pas qu'on t'élève dans l'œuvre. Frère, moi, je suis pas dans tout bas, en dignité. Le frère dit que moi, je m'accepte. Et tu dirige contre lui. Maintenant, aux autres, les copies, c'est des mots de Dieu. Maintenant, tu fais ça avec lui. Qui me combat? Aux autres, vous ça va, les mots. Contestation, les arabes. Le la Moussa, les arabes, la Nibidia. Il y a beaucoup de monde dans Deutéronome 33. C'est pourquoi dans Deutéronome 33, tant où Moïse a béni Lévi. Lorsque Moïse bénissait Lévi, il dit ceci. Verset 8. Le verset 8. Si Lévi dit, Nicolas Lévi a dit, les Tumim et les Urim. Ont été confiés à l'homme saint. Que tu as tenté à Massa. Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba.
Donc Moïse, oh, ça fait sa bénédiction. Ici Moïse bénissait. Alors expliquer les financements, il a expliqué que les gens avaient contesté dans les sacerdotes. C'est dans nombre 17. C'est dans nombre 17. Mais le Seigneur n'a pas exécuté Moïse. Mais le Seigneur n'a pas exécuté Moïse. Donc on n'a pas contesté. Comme ils ont contesté, c'est là par mon appel ça va faire. Je vends de l'air leur verge. Je m'attends dans la barbe. N'a y a rompé. Et la verge la rend aussi. Mais le Seigneur a dit, où est-ce qu'on fleurit? Mais où est-ce qu'on lui s'enfuit? Il est décédé que la verge a fleuri. Faire sortir les enfants. Il y a mon ézaba pour lui. Et c'était la verge de la personne que Dieu a choisie. Et le Seigneur l'a fait. Et il t'a pris à salaire. Donc, ce qui n'a marche, il va contester. Si on te conteste, toi, serviteur, là, il ne faut pas t'irriter contre les frères. Koyate na litéia contre les frères. Il ne faut pas inventer une prédication contre les frères. Parce que la théie, nous sommes à la et pas les frères. Parce que notre serviteur n'a pas de poids. Il a un problème, mon frère. Il a un problème avec les frères. Athéné, il a un poids. Mais là, il se lève, il a la chair pour prêcher les frères. Non, pas ça. Prêche la parole de Christ Jésus. Frère, on se retrouve plus. Et c'est là que le frère va se retrouver. Il vient de se tirer avec quelqu'un, il vient commencer à le prêcher. Là, on vous aura bien fixé dans la parole. Et là, tu ne seras pas bien fixé dans la parole de Dieu. Oui, on a ma famille, va le dire en tout cas. Quand j'écoute les gens dire, les autres qui nous vont dire. Aujourd'hui, nous n'avons rien entendu, rien saisi. Là, c'est un problème de Paul. Ouais, parce que le Paul est venu à comporter charge. Parce que le Paul s'est porté la charge. Dans une mission bien que les entrailles allaient entourer la Grèce, Grèce, on les a très utiles pour la Moussa et Aaron et ses fils. Les entrailles entourées de la Grèce et cette Grèce, c'est très utile pour Aaron et ses fils. Et les entrailles, c'est les fils. Mais ils sont comme moi là. C'est lui, Jésus-Christ. Ça y est, mon Christ. Mais Grèce, là, c'est un mal qui l'esprit. Seigneur, et si nous mais la grâce de Jésus, le Seigneur, celui que Dieu l'avait moi. Donc le même esprit là, les amis du Colonel. On lit moi la mort quand il si le Seigneur t'appelle, le Seigneur doit aussi le mettre sur toi. Jésus-Christ le même assimilé à qui? Jésus-Christ, c'est de la manière dont c'était humilié. Il faut humilité ça. Toi aussi, le serviteur, tu dois avoir l'humilité. Humilité, moi, on en a devant les écritures. Et l'humilité se prouve devant les écritures. Au salaire, tu commets une erreur. À corriger les commis conflits. On te corrige, ça devient des conflits. La couronne n'a pas la cimenter. Voilà, ma chère. Surtout l'erreur de Christ. Surtout l'erreur concernant les critiques. À toi, c'est Niki. Même si tu te fâches. Au Congo, qui s'appelle Tadona. Tu vas te mettre en harmonie avec moi pour entrer dans le royaume. On a toujours la cimenter. Là-bas, nous ne les réduisons pas, frère. Parce que où les critiques faisaient des cicatrices. Parce que ce qui est écriture doit être à sa place. Garçon, je sais rien. Moi, si j'ai commis une erreur, il est quoi corriger, frère. Mes frères me corrigent. Ah, aux hommes, on a un colombéré, moi. Je vais retourner pour rectifier cette erreur. Donc, on a battu nous sur la personne qui est un des ministres, en tout cas, ça m'a souci à bien. Un des ministres qui avait un bon souci. Il m'a dit, si même un texte, on a Deutéronome 23. Il m'a dit dans les textes de Deutéronome 23. C'est un bon souci. Et ça dit, on va penser à madame. Sur, on parle sur le prêt à intérêt. Où on parle du prêt qu'au défi s'impose à l'automne. Effectivement, ça, on a mis la bien dans le bénéfice de Yahoo. Effectivement, si tu me suis attentivement, j'avais pas. Au son, il passe dans mon âme, on a audition à la maté, à la terre, quand même. Tant mieux, on se met dans la audition à la maté. Parce que moi, en tout temps, je suis toujours l'enseignement que je viens de prêcher. J'avais dit ceci. Au sommet du téléphone à 70 dollars. Tu achètes par exemple un téléphone à 70 dollars. Au yé côté que la frère à 300. Et tu viens le vendre au frère à 300. Après, il y a mis ici après ça à compte et à 100. Après, tu lui dis de te donner la compte de 100 dollars. Après, vous se repère ça ensuite. Après, ce qui reste, tu donneras la suite. Ça t'empêche. Et ça lui souille. Maintenant, on y a côté qu'à boyer. Maintenant, ce qui concerne la vente, n'avons pas dit boyer. J'avais dit ceci. Vous avez un esprit tel à gagner un intérêt du côté à frère, à une affaire. N'aie pas l'esprit de recevoir l'intérêt chez ton bien-aimé ou tes bien-aimés. Ça, là, quand il y a des dépenses pour lui au salaire. Et fais le calcul de toutes les dépenses que tu as concédées. Au équilibré, il y a un peu de il y a un peu de sommage. J'équilibre sur tout ce que. J'ai pas dit ça. Dans le bac, on tient un peu de et tu l'ajoutes là-dessus. Qu'on s'en a maintenant pas fraude d'un. Ne fais pas les choses par voie de mensonges. On s'en a maintenant. Amen. Ah, ou bien par qui
pas un frère. J'ai ton propre frère. Le Seigneur n'aime pas ça. Ça veut aller à mon côté. Ce qui est une humanité, tu connais tout la matière. Si nous ne le serons pas, nous ne serons pas non plus. Attaque, c'est la démonstration de l'Église. Même si nous faisons des démonstrations de révélation. Tu connais tout la matière aussi longtemps que nous voulons la frère dans la terre. Nous ne serons pas enlevés aussi longtemps que nous ne nous aimons pas. Alors c'est lui. Où est-ce qu'il aime comme son frère? Donc celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Ah, il dit qu'à la poème en sa vérité. Faut la Jean bien. Il faut bien suivre Jean. Et c'est aussi dans la parole. C'est pourquoi ma pratique contre Zoro Bayamonde est ma pratique d'amour. C'est pourquoi les pratiques dont nous parlons sont celles d'amour. Et là, quand il nous faut pas. La première des choses que tu dois savoir. La famille chrétienne est à l'icolo et la famille n'en a rien. Zoro. L'hypothèse à l'église, de l'équipe, l'hypothèse à l'église. Et là, quand d'abord, il nous faut place aux bandailles de l'église. Donc là où tu commences toute chose. Néwana. C'est là d'abord. Famille nana ya nzoto que ma famille dans la chair Esa ya na sept mes familles chrétiennes des alikolo et moi que ma famille chrétienne famille nzoto de bosuke na mambo ao la famille biologique nous allons nous arrêter avec famille nzoto mes familles chrétiennes et notre famille chrétienne beaucoup de natifs na makolo nous allons nous rencontrer là bas dans les cieux. Elle est qui? Elle est plus que la famille biologique. Il y a beaucoup d'autres qui exemplent la famille biologique. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de nos familles dans la chair. Yo sombi soki et l'ambassade de l'Okonayo n'a pris net il y a 50 dollars. Votre chef, par exemple, est en vêtement à 50 dollars. Oye n'a pas dans la Okonayo. Et tu la portes dans ta maison. Oye n'a pas sa frère Nayo. Et tu veux faire un tas dans ton travail. Si tu veux lui vendre. On tient bénéfice à 50 Nicolo. Est-ce que tu vas mettre les bénéfices de ces attaques aux hôtels. Même si tu les vendais. Frère Naïkissan. Ton frère biologique. Naïkou aussi réproché. Et toi-même, tu vas te réprocher. Mais frère Dissan. Parce qu'il n'est pas la maquille. Mais pourquoi et pas Yahweh à mon sang, dans la facilité à faire. Mais pourquoi tu as la facilité de vendre avec intérêt chez ton frère dans la foi? Ce n'est pas normal. Les amis, madame, ou t'es. Sauf que ton c'est pourquoi j'ai dit surtout bien que au moment ça m'amanda tu pourrais être à la maison au moment des bonayo à zola ta bien terre tu vois ton frère très mal vêtu et au salon des mawa et cela va te donner des soucis. Tu ne vas pas te moquer. Mais pourquoi tu as la facilité à ce qu'un frère roi a zani sa patte? Mais pourquoi tu as la facilité de te moquer de ton frère par la foi qui manque de souliers ou à zani ramba ou celui qui manque de vêtements? On a la facilité à vous égarer. Tu as la facilité de te monter de lui. C'est la vérité que vous avez la même famille. C'est la vérité que vous n'êtes pas de la même famille. Pour la famille, en tout cas, ça l'a pas monté. Parce que tu ne fais pas ça dans ta famille biologique. Tu vas te battre pour lui acheter le vêtement des souliers. C'est ce que nous avons pas. Et c'est ce que nous disons. Il est le but qui fait du bien à tous. Ça l'a pour là, mon amateurisme. Mais plus, ça l'a monné. N'a pas eu le bazar en Christ. Mais beaucoup plus à tes frères dans la foi. Place au Mandé Nazar. C'est là que je suis. Nekonayo, Nekos, en zone de la Mandès. Ton frère, même si tu vendais le haricot. Oui, il a des difficultés. Et tu sais bien qu'il a des difficultés. On prendrait en charge. Tu peux le prendre en charge. Aux autres qui payent Alia. Et tu penses à un élevant qui se nourrit. Mais quand tu dis ça, tu as des soucis pour avoir des problèmes. Cela ne va pas te déranger, c'est ton. Ce serait le souci parce qu'il est ton frère. Mais pourquoi pas ton frère en Christ? Mais pour la dignité de l'économie en Christ. Son cahier au bon dit qu'il n'y a pas. Et si bien tu tâches la nourriture à la maison. Il n'y a pas où il s'en a valeur. La nourriture qui a moins de valeur. Bah, comme ce soit bon, bah, même on est mille qui est. Et d'autres personnes tâchent même la boîte de lait. Mille. Vous en avez mal. Pour. Ensuite. Ah, il cache la boîte de l'air. Vraiment, les âmes niveau assez. Vraiment, c'est un bas niveau. Avant de servir pour Batoubaïe, il sert parce que les gens sont venus. Il y a des qui déjà la cuisine, quoi, ça, on a. Lui passe déjà la cuisine parce qu'il est propriétaire de la maison. Dans les autres, tiens, moi, mon kit, qui est là, tout d'abord. Bah, ça, il est venu. On a eu. Là, il est venu. Au fond de ça. Ah, vous dites que ça va. Il vient déjà de donner des ordres. Pour ceux qui disent, où vas-tu? L'amour ne va pas son intérêt. On y met pas la tête. Voilà comment ça va, c'est ton intérêt. Voilà,
Cette nature-là, il faut y régner dans la nature et dominer. Et c'est cette nature qui doit dominer parmi nous. Et de la même manière que tu ne peux pas venir ton frère de nous. Il faut faire encore plus à ton frère qui est dans le Seigneur. Il a un problème. Quelle est la solution? On va lui chercher des solutions à la place de parler du mal de lui. Et puis peut-être que nous solution, parfois il faut dans la hôtel, il va dans la tête, il ça va voir. Et puis, quand il concerne ta famille, tu ne les divulgues pas. Bah, il va dire mon amas. Les escolarisés, ils ont mangé mon argent. Tu as compris que c'est la charge. Tu avais compris que c'était la charge. Mais pourquoi pas frère? Mais pourquoi pas ton frère dans la foi? Sauf pour ça, il faut mettre la trompette. Ah, si tu fais un bien, tu vas sonner de la trompette et dire Jésus, le Bawana aussi récompense. Jésus a dit là, tu auras ta récompense. Comme les gens à féliciter, vous avez récompensé ton Jésus a dit aussi aujourd'hui. Jésus a dit tu as déjà reçu. Aux élatés, récompensé. Il n'a pas la récompense de Dieu dans le bien que tu viens de faire. Aujourd'hui déjà. Tu as déjà reçu ta récompense. Dis-le-lui, quel autre t'es-lui? Montez-vous sous-soulé à tout, dis-le. Un autre propre bouche. C'est l'écriture de Dieu. Les amis, ils commis en Zambé. Montez-vous pas ça, la banque, la mère, la église. Donc, les gens qui font des banques, la mère. Il y a qui vont gagner l'effet. Sache que tu vas en enfer si tu ne te réponds pas. Montez-vous ça, la banque, la mère, n'est pas ma frère. Tu prêtes un intérêt à tes frères. Il y a que les âmes en bourse, un déficit de 500. Je te prête 500. Après un mois. Et après un mois, il va falloir faire 5%. Sache que tu dois ajouter 25%. Un mois. 25%. Oui, je suis encore mon amant en affaires. Tu sais que c'est mon argent dans des affaires. Ça, là, on a étranger. Il faut le faire avec des étrangers là-bas derrière. N'a frère. Avec les frères. Il faut les prêter sans intérêt. Et ensuite, Jésus a commencé à pécier. Et Jésus a dit ensuite, quand tu veux. Espérer qu'à vos hommes qui s'est là. Espère pas qu'ils puissent se retourner. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui s'est là. Les âmes nous vont taper. Et ça, il dit. C'est l'écriture de Dieu. On va la tête. Les gens ne sont pas là. Il faut retirer. Donc, il doit me remettre en essence. Au son. Tu pêches, frère. Jésus a dit. C'est Jésus qui s'est là qui a dit. C'est de lui. Et quoi non? Il y a un papier, on va lui dire cette parole et dire. Il ne peut pas la grâce. Mais là, peut-être. Parce que là, il n'est pas facile cette parole. Des fils-là, n'a même rien à vous espérer dès qu'il va vous en dire. Prête au frère de la manière à ne pas espérer à ce qu'il puisse te remettre. Jésus l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Mais appliquez la parole de Jésus, c'est comme on dit. Mais applique la parole si tu aimes vraiment Jésus-Christ. Applique la parole. Nanga copé à moutoua défi. Du côté aussi de celui. Proverbe 16, 6 et boutique à aider. Et Proverbe 6 ne va pas aussi. Et le plus on a un problème, n'a pas qu'on a eu un cas au moussi. Si tu as un attachement avec ton frère, il faut te mettre à l'œuvre pour chercher à lui. Donc, maintenant, moutou, à la version, je suis en aide. Et chacun de voir l'inversé qui le retient. Et ça, c'est beaucoup une église. Ce n'est pas que vous arrivez à l'église. Beaucoup une débat, tout canda canda. Vous êtes devenus des gens qui s'entendent. Pour remettre tout à Dieu. Pour remettre tout au Seigneur Jésus. Il y a un peu que on ne fait pas frère. Vous n'êtes pas ça. Emprunter chez le bien-aimé. Pour ça, l'esprit a fraudé. Il ne faut pas frauder dans les appels. Son moyen dit que vous pensez qu'il s'abonne dans un mois. Si tu ne sais pas que tu ne peux pas les faire. Combien de gens sont rentrés qu'il a un bon moment? Il ne faut pas lui raconter que j'attends. Mais tu es en état. Mais je. Je pense que lundi, n'a pas besoin de dire. Je vais te le remettre. Dieu a nommé dans un question, c'est 4 places pour t'en acquis. On a dit que le Seigneur a la canne à ma cambois. C'est de ces choses que le Seigneur tire vengeance. Dis à ton frère la vérité. Le meilleur de mon aïe au sol, on a ma cambois. Tant qu'on a joué à vos deux fois, lorsque je viens en premier, mon angaï, mon frère, en tout cas, il n'a pas beau. En tout cas, tel que je suis là, ça m'a beaucoup. Je suis même vide. La réalité contenue n'a aussi bien. Je ne sais pas par où mais je suis. Mais vous n'allez pas me dire. Mais je suis venu vers toi, mon frère, si tu le veux. Mais ça t'en conseille. Mais ce n'est pas que tu puisses utiliser des fraudes et des mensonges.
Notre personne a la facilité de vendre une chose de mauvaise qualité à son père. Ce n'est pas. Nous n'avons pas oublié les saints. Tout ça, nous avons pour que la cupidité soit dans les affaires. Nous disons en fait que la cupidité ne soit pas parmi nous dans les affaires. La nature de la parole est régnée. Que la nature de la parole puisse régner. La manière dont nous montrons les choses. Il y a un élément qu'on voulait bien fixer dans cette alliance. Veuve pas un salaire ou bien la dîme. La veuve n'a pas de salaire ou la dîme. Veuve ton prénataire à charge. Nous prenons en charge le sauveur de l'église déjà 60 ans. Si elle a déjà dépassé 60 ans, reprendre en charge l'église, prendre en charge. L'église pourrait la prendre en charge. En charge, on va l'obiter que. Et cette charge, on n'a pas dit. Dîme. Pour la dîme, Balobi, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Allez, allez, tout le monde. On a mal. Tu sais, attentivement. Maintenant, on est allé ma veuve. Maintenant, ce qui concerne le veuve. Nous les prenons en charge, en fait, comme le pasteur est en train de faire. Donc, on a une solution. Cherchez une solution. Nous pouvons nous entendre par la grâce de Dieu. Pour collecter au monde mon consistant. Et faire une collecte consistante. Il y a au monde. De le monde. Et nous remarquons celles qui sont prêtes. Nous posons la question à maman, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça, prendre en charge. Il y a bon besoin à comme parce qu'il va faire la mibale. Maintenant, les veuves qui n'ont pas encore atteint. 1 Timothée 5 et Zoloba. 1 Timothée 5 dit, qu'elle se marie, ses veuves. Mais ceux qui n'ont pas les amonanités. Mais si vous ne savez pas trouver encore un frère pour la mariée. Il faut pandécoba prendre la charge pandécoba. Il faut que les frères prennent en charge leur soeur de charge. Charge à l'église. Que cette charge ne soit pas imposée à l'église de Dieu. C'est ça 1 Timothée 5. D'abord 1 Timothée 5. Donc, le frère. Les frères. Au moins que vous avez quand même la possibilité. Tu vois quand même que tu as une possibilité. Dans le niveau que tu as, au poussin, il peut mettre un bassin dans la bête. Tu t'approches devant les serviteurs. Et en tout cas, on a besoin. En tout cas, je sais. Si tu veux, ce que c'est la personne. Oui, c'est bien quand même ton quoi pour s'écouler ma porte. Les jeunes veuves qu'on doit prendre en charge. En tout cas, moi je suis disposé. En tout cas, moi je suis disposé à ça. Bien dans ma boutique, Nangaï. Bien chez mes boutiques. Donc voilà, ça gêne. Comme les jeunes peuvent. J'aime pas beaucoup pour travailler. Les jeunes peuvent travailler. Alors, on va me dire quelque chose. Vous recevoir quand même quelque chose. C'est ça dans l'église. Et ça, pour qu'on écrit cet amour-là. Mais tous les autres éléments, pasteur Maïe Diabo. Mais tous ces faits et le pasteur connaissent. Mais non, pasteur a surtout canal et dans mon éléments. En dehors, il y a contrôle Maïe. Donc que le pasteur puisse être surpris des choses en dehors de son contrôle. Parce qu'il est quand même fait ça avec la sainteté. C'est que le salement nous semble. Avec la pureté de la parole. Mais là, vous pouvez être le matin. Et c'est très très important. Et ça nous tue à ma casse. Et Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Donc c'est que ma carte n'a pas volé ma cœur. Et dans tout cela, tu dois comprendre. La façon dont nous marchons pour l'unité des gens de clôturer. La façon dont nous marchons, on veut les acheter. Voilà, on a jeune nous allons passer au CBD. La façon dont nous marchons par la grâce de Dieu. La façon dont nous marchons par la grâce de Dieu. On a qu'il a contenu les cambo et un ministère dans le roi. Et je voulais d'abord entamer le ministère que j'étais en train de dire. Qu'il faut croyer ma bouille que tu dois savoir ceci de ce qu'on voit. Oyo. Tout le monde. C'est la grâce. Les animaux. Si la grâce est dans la carte à moto. Si la grâce est dans l'homme, trop bénamité, trop résister à mon et trop étouffer. Nous ne sommes pas appelés à résister ou à étouffer cette grâce. Même ma pierre, ma mona qui la grâce, oh yon zamba sala qui n'est pas Paul, ma témoigner. Même les apôtres avaient vu la grâce de Dieu faite à Paul et il avait témoigné. Parce que la grâce, ma mona a un par rapport à la bouche. On voit la grâce par rapport à la bouche. Par rapport aux yeux. N'a mis sur terre. Par rapport à la bouche, parler naïe. Par rapport à sa bouche, la manière dont il expose. Ceux qui parlaient naïe, sa propre. S'il a un parler propre, ils ont édifié. Qui édifie? Ils ont Torah. Qui édifie les gens? On voit la
grâce. Ne t'appelle pas étouffer la grâce. Parce qu'on a fait des débats sur ça. La personne peut-être là, il ne voit pas. Qui ne voit pas. Mais si la grâce est là, et qu'il a travaillé un peu pour mon grâce. Et qu'ils avaient travaillé, vous avez aussi vu la grâce. Vous ne pouvez pas vous opposer à la grâce en lui. L'avenir de Dieu, Dieu connaît. L'homme, il s'appelle à Yébi. Yébi, t'es mieux pour ça, la lobby. Dans ces choses, il faut tu dois savoir ceci, bien-aimé, que même le monde a une solution pour les aveugles. A déjà pris une solution pour ceux qui ne voient pas. Bible aveugle, exact. Il y a la Bible pour les aveugles. Peut-être ici à Kisala, nous sommes reculés. L'écriture aveugle. Mais il y a des écritures pour les aveugles. Donc ceux qui n'ont pas télé ici et non. Si par exemple nous faisons le même, dans mon père sans retour, imposition de mettre poison mon athée. Je ne veux pas imposer un frère les mains parce qu'il ne voit pas. Il était en arrivé au port en France. T'es. La prédication ne va pas. Et au port en Canada, t'es. Les États-Unis en Amérique. Entrer au Canada aux États-Unis. Et pour ceux qui sont là, en Afrique. Et ta prédication va s'arrêter seulement. Afrique peut parfois là, là. Congo. Et parfois l'Afrique c'est pas la RDC. Oh, ma frontière, mon sous basé dans ma solution. Parce que dans notre frontière, ils ont déjà des solutions que nous manquons ici. Dans ma frontière, mon sous, dans notre frontière, ils ont des solutions à ce que nous manquons. Donc les aveugles ont leurs écritures. Ma monnaie, Bazar, ma commune, oh, ma salle. Les écritures qu'ils utilisent. Ils ont leur Bible. Bazar, fait la Bible, à ma peau. Vous en avez un, vous suivez attentivement. Et aussi, il faut croire ma cœur. Et aussi, tu vas savoir. La Bible est le mien. La Bible dit. La foi vient de ce qu'on voit. Pour dire à l'autre secours. On t'a rien dans la Bible apôtre. Tu l'avais lu dans le livre de quel apôtre. La foi vient de ce qu'on voit. C'est qu'on voit vient de la parole de Christ. L'autre secours est dans la Christ. On t'a rien dans la livre. Tu l'avais lu dans quel épître. La foi vient de ce qu'on entend. Vous en suivez attentivement. Pour avoir la difficulté à côté dans le ministère, dans un milieu. Nous avons la difficulté d'établir dans le ministère celui qui n'écoute pas et ne parle pas. Donc ce qu'il faut d'ailleurs comprendre, c'est que tu dois comprendre bien. Infirmité à montre. Donc, on connaît la moto, on connaît ici la moto. Et oui, pour empêcher que la parole est éternelle. Ne pouvez pas empêcher que la parole soit prêchée. Paul a parlé qui avait une tête. Paul n'était pas aveugle. Mais Paul a parlé qu'il a difficulté de mission. Mais Paul avait des difficultés de la vue. Très difficile. C'était très difficile. Au point qu'à son là qu'ils avaient trois fois. Au point qu'il avait trois fois prié le Seigneur. Et chaque fois, le maman les a compris en mission. Les chars dont il parlait, c'était les problèmes de la vie. Alors, pour souffrir sérieusement. Il souffrait des problèmes de la vie. Il y a un moment, on attend à qui il n'allait pas à Galate. Alors, pourquoi lorsqu'il s'était rendu chez les Galates, il écrit ceci. Azor, ma boue. Il m'a laissé révéler à Paul, Paul a comment voté. Beaucoup de lettres de Paul, c'est que Paul avait la difficulté à comment. Il avait des difficultés. Pourquoi comment l'église. Pour s'adresser à la difficulté. Il avait cette difficulté de bon la mission. À cause des problèmes de la vue. Dans Galates 6, alléluia. Il dit ceci dans Galates 6. Dans verset 11. Au verset 11. Alors, il y a un comment qui livre à Galates. Ici, c'est lui qui avait écrit la vue. Maintenant, nous sommes du coup mis ça. Maintenant, il est en train de se corriger. Voyez avec quelle grande lettre. Je vous ai écrit de ma propre main. Comment il a commis vraiment une commissive qui avait écrit la lettre au Galates. Et nous avons vraiment la commis. Aujourd'hui, moi-même, j'ai écrit la lettre. Ah, la difficulté, mais j'avais des difficultés de la vue. Aujourd'hui, dans Galates 4. Galates chapitre 4. Azotari Samoye. On montre ceci. Azoloba, l'olele Oyoyo, à Bayambakiye. Il dit comment est-ce que les Galates l'avaient reçu. Azotalisation de la vie possible. Il montre que si c'était possible, à pouvoir qu'il pouvait s'aider Mishu. On lui aurait même donné des yeux. Oui, tout en y a bon, on a compris Jésus-Christ, à partir du verset 15e.
même dans 12. Soyez comme moi. Car moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Dans le verset 14 et 24, et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire réussi comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Écriture et la doctrine nous souvient de l'Abraham, parler des Abrahams. Paul n'avait pas dit que c'était un ange de Dieu. Paul n'avait pas dit que c'est lui qui était l'ange. L'écriture a si pensé d'elle. Alors dit comme un ange de Dieu. Le col la branche de Dieu. Virgile. Cela veut dire dans lequel le portail est un ange de Dieu. Cela veut dire l'être maintenant en train de montrer qui est. Comme Jésus-Christ. Le col à Jésus-Christ. Voilà l'ange de Dieu. Maintenant continuez. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela y était possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Paul a dit un problème à lui. Paul avait des problèmes de la vue. Et ça va qu'on a vraiment ma casse. Et cela les tourmente. Avec le temps qu'on a eu une infirmité à chair. Quand j'étais venu, c'était à cause d'une infirmité de la chair. Infirmité, on a eu une mission. Et cette infirmité, c'était les yeux. À l'aide de Léo, dans le rapport, Paul a commandé. Beaucoup de lettres de Paul, ce n'était pas lui l'écrivain. Avant qu'on commandait, donc. Il ne parvenait pas à écrire de ça. Pour ça, la Likamboya Zanaya. Donc faire la chose qu'il voulait. Contre nous, ce gars a été secondé à Paul. C'était une autre personne qui l'aidait à écrire. On a problème, il y a à cause des problèmes de la vue. Et le voilà un ministère. Cela ne lui avait pas dépouillé du ministère. Jour à jour, il a même moins grâce. Et je lui avais réussi quand même. La monnaie mise se réguit bien. Et qu'il avait vu ses yeux. A Paul, il a galate. Il a écrit la lettre au galate. Mais vraiment, à Yoki et Sengo, ma grâce, j'avais dit que. Il a ressenti la joie, il a dit que c'est lui-même qui a écrit cette lettre. Donc, la grande chose d'abord, c'est la grâce. Les animaux lui attendaient. Si mon prophète est proprement, si quelqu'un prêche proprement la parole, là, tout le monde les tenir et là, ils ne vont pas les retenir. L'œuvre de Dieu est tellement née. Pour cela, les animaux n'étaient pas. Donc, on ne sait pas que mon toit est à un niveau la mission. Nous n'allons pas entendre qu'un frère prêche à notre niveau. Mais mini, total, avec les paroles à la pile. Mais beaucoup plus nous regardons la pureté de la Katia Moto. Dans l'homme. Hein, à respect écriture. Mais le respect de cette écriture. Et à la facilité à vous transmettre. Et qu'on ait aussi la facilité de transmettre la parole. Parce que lui-même dans l'université, vous savez, dans nos universités, ils ont un grand professeur, il y a des grands professeurs, mais ils ont la difficulté de transmettre, il y a une matière. Transmission. Au moment d'un assistant, il y a chef de travaux. Vous allez voir l'assistant des chefs de travaux. L'étudiant, par exemple, c'est bien. Les étudiants, c'est le juste de CD. Il y a eu pour communiquer. Parce que les CD savent communiquer l'enseignement. En madame, ça me fait ça, bon. Il sait tout. Aussi comme ça dans les choses de Dieu. Oui, ça la carte, autant la famille, ils ont transmission. Ce que nous regardons plus, c'est la transmission. Et qu'on sera capable, il y a pour ça que les peuples vont être présents. Être capable de faire que les peuples soient présents. Vraiment dans la parole. C'est vraiment dans la parole de Dieu. C'est ce qui est trouvé à quand même. C'est à quoi nous faire le plus. Et quand on voit la grâce, il y a tout ce monde en Golou, tout ça là, on est à grâce. Nous faisons parce que c'est la grâce de Dieu. Aux gens en avant. Amen. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas ça à la paix, ils ont abandonné dans une terre, dans une zone. Mais tu dois savoir que Dieu ne commet pas les restes, ce sont des choses que j'ai appris. Dans les choses que Dieu ne fraude pas.
Si un serviteur est consacré pour soutenir un homme, il sera comme le Jalel. Donc, avant tout, la femme en position, à tout dire, avant de prendre une position, il va demander. Mais quand le pasteur manda, il va côté, qu'est-ce que le pasteur manda a dit? Au pasteur manda, à côté, B. On le pasteur manda à la position. Ça peut être un peu. B. Moi aussi, peut-être que je viens à la position B seulement. Voilà, vous en avez moi. Il sera comme ça, ce serviteur. Ceux-là qui étaient les faux serviteurs existaient dans les églises. Et avant, la taille, qui dit que nous sommes avant, nous qui sommes venus avant les serviteurs, nous sommes toujours avant, c'est nous qui allons dire à ceux-là qui viennent de monter à notre dignité. Pour ça, c'est ce que dit l'Écriture. Et nous faisons ce que l'Écriture nous répond. Mais l'élévation, ça va être ensemble. Mais l'élévation appartient à Dieu seul. Sauf cet enseigne qui fait le malheur. Sauf cet enseigne aussi. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Donc, on va vous tenter de dire l'amour et tout. Mais de la part de l'Éternel. Mais c'est vous tenter à Yahweh. Nous avons un exemple. Nous prenons des exemples. Même dans l'ennemi, nous sommes contents. Nous allons être contents. Nous allons aider. Nous étions aussi consacrés. Mais jamais élevé, nous devions sauter. Mais le Seigneur n'avait pas élevé tout le monde. Parce que l'élévation, nous devons aller dans la top. Parce qu'il y a d'autres élévations du corps. Nous devons aller dans le corps. Nous devons aller dans le corps. Nous devons aller dans le corps. Et ça a mis dans sa prédation. Ces choses existent parmi nous. Il ne faut pas regarder d'autres églises, il faut plus nous regarder ici. Oyoyo, mon toit continue à ma mabé, celui qui est entré d'une mauvaise manière. Suite à temps et contact, la suite ne va pas révéler sa nature. Respect, il y a l'écriture et qu'on s'arrête. Il n'aura pas le respect de cette écriture. Oyo, comment on a monté, il y a un conflit dans ma frère. Vous allez voir les serviteurs en conflit avec moi. Parfois, soir dans ma frère. Avec mes frères. Ah, il dit la peine. On fait le même. Rentre seulement frère là-bas sur le banc. Pour il faut y avoir la passion. Parce qu'un serviteur doit être patient. Au ça n'est pas. Montez ma moulaï. Oye, pas vraiment pour supporter. Que tu saches supporter le bien-aimé. Pour t'avoir mis ça pour pas, ma bamounaïoana, ma zone d'imamoté. Un frère peut te dire, moi je ne crois pas à tous tes enseignements. Bon, partagez. Partagez. Et puis ça est réfuté. Il lui boye la bonne alicomie. Ah, c'est ça l'évité. Donc, donc, autant ici et l'autre, oyo. Donc, tu montres que cette chose. Oyo, l'hôpital est une tire ésotérique. Ce que tu viens de dire, c'est une aussi. Regarde encore une fois. Assentiment, non, des sentiments humains. Dans la verset où ils ont couru. Regarde, ces versets s'opposent à ce que tu as dit. Nous savons qu'en la porte t'es un miracle de Jésus. Nous ne pouvons pas fermer la porte au miracle de Jésus. Le Seigneur, dans sa recommandation, lui-même a dit, vous opérerez le miracle à mon nom. Donc le Seigneur a sa capacité de faire la vie avec. Le Seigneur a la capacité de recouvrir. A la capacité à ce que ça va couvrir. Il a la capacité de ressusciter les gens. A la capacité à purifier par les bleus. Il a la capacité de purifier les bleus. Mais à Paul a dit à qui à nous. Mais il avait laissé l'infirmité de Paul. Juste à ce qu'il est allé. La mignon qu'on est à Nice. Et dans ses afflictions. À savoir, il disait papa. On lui disait seulement. Ma grâce n'est si. On a salué et pour qui. Ceux qui pour la santé, qui pour avoir trois fois, ils ont dit j'étais assis. Si on avait prié trois fois pour cela, cela veut dire qu'ils souffraient. Mais Paul, on a dit ceux qui va tirer et l'amour, mon choix dans d'autres, on a dit qu'il m'a en place pour ta salle, et bon, ça m'a tiré et bon, ça m'a tiré. Mais si on applique un mouchoir sur le corps de Paul, mais qu'on l'applique aussi, mais on va dire marche. Ceux qui, par exemple, lui fait ça la paix, il a dit moi je vais le faire. Et bon, lui, ça il ne sera pas guéri. Et bon, lui, il ne sera pas guéri. Il faut y que Zambé, même si Paul, ça va dire aussi, même si Paul vivait des prodiges, ma place nous sous-soupère, ça dit que, dans notre à Zambé, il est tout à ta malade. Quand il a prié, la personne reste toujours malade. Il y a mon impression de Timothée 4. C'est pourquoi j'ai dit dans 2 Timothée 4. Verset 21. Le verset 21. Alors, il dit, Nabani, le verset 20. Et
reste est resté à Corinth. J'ai laissé Trophime malade. Amilé. Verset 22, Timothée 4. Donc je dis, quand vous dites que Paul a semblé malade, il y avait d'autres cas, Paul a prié, mais la maladie demeure toujours. Il y a un mot qui a malade. Et lui-même, il avait laissé un frère malade. Donc ça semblait qu'il pense qu'il n'avait pas prié pour la vie qui était. Mais le frère Trophime n'était pas guéri. Il a témoigné. J'ai laissé ton fils malade. Voilà pourquoi la guérison est à Dieu. Voilà pourquoi le fils de sa vie est à Dieu. Et ça, il faut le bisoter. Non, la guérison n'est pas. Si Dieu veut guérir, ce qui ne pas il guérira. A combien il s'en a caca. Là, c'est Dieu. Ouais, mais ça, ça veut. Il faut que l'on vous dit qu'il est si canaillé. Et nous devons savoir lui laisser la place de Dieu. Et aussi, il faut y évaporer. Et aussi, tu dois savoir ceci de lui. Dans où David a salaki dénombrement. Lorsque David avait fait le dénombrement en Israël. Dans le livre des Chroniques, chapitre 21. Dans le livre des Chroniques, chapitre 21. Le Seigneur. A yaki maintenant pour frapper. Il était venu frapper. A salaki un type à trois fléaux. Il avait proposé trois types de fléaux. Et David a connu qui a frappé. Et David avait choisi qu'il puisse frapper le peuple. Mais à part l'Ikamoana, tant que la maison s'arrête. Mais à part cet événement-là, David a songé pour le cas montagne d'Ona. Et David a songé à chercher la montagne d'Ona. A soumis à mon attaque à douleur. Il a acheté dans cette douleur l'épée, ça va qui nuit. L'épée de l'ange était hors du feu. Donc ça va dire en colère. Et le Seigneur était en colère. À Samberi. À ça, il sacrifice. Il a prié, il a fait le sacrifice. Makina et Kiti Nangoma. Et le sang fut versé sur la montagne. Et dans 1 Chronique 22, verset 1er. Alors dans 1 Chronique 1, le verset 1er. Dans mon monique, Zambatalisie, que mon panda ou Ezaraki, l'Ibanda et Afuro. Lorsque le Seigneur lui a montré que l'épée qui était hors du fourreau. Dans l'Ibanda et Nangoma. L'épée hors du fourreau. Mon ange a zongi si yamou. Il a vu l'ange la remettre dans son fourreau. Donc c'est les âmes a pardonné. C'est-à-dire le Seigneur lui a pardonné. Né à l'obi. Alors David a dit. C'est ici que la maison de Dieu. Et ça dit, ah, on a compagné qu'on tombe à donc la maison de Dieu est bâtie place pardon, Isaïe. Dans la maison de Dieu est bâtie là où il y a le pardon de Dieu. Tu dois le faire. Tu dois le savoir. La maison de Dieu est bâtie place pardon, Isaïe. Là, quand ça met ton âme, si tu as mon livre ici, Isaïe. Moi, dans un peu, à rappeler à ta frère, un enfant de Dieu ne rappelle pas les péchés. Parce que la maison de Dieu a bâti et c'est pardon Isaïe. Et là, quand ça met ton âme, si tu as mon livre ici, Isaïe. Si un frère, Isaïe, qui n'a pas dit. Si un frère était parmi et qu'il y a des mains qui a mes mamans qui n'est qu'une dans ma terre, ma mère, et qu'il était emporté dans le faux enseignement. Après ça, il dit dans Jacques 5. Je vous avais donné Jacques chapitre 5. Verset 19 et 20. Verset 19 et 20. Alors, puis, si ton frère a s'éloigné hors de la parole, oui. Qui ne connaît qu'il nous cite au sol et à l'idoma, et que tu gagnes à son vie, et que quand tu gagnes ton frère, tu lui ramènes à la parole. En tout cas, tu as couvert une multitude de péchés. J'ai aussi dit ma soeur et belle pétale. Il faut se faire un frère pour à son vie. Il faut te réjouir du frère qui est retourné. Et là, il faut s'en aller à la tête. Cette chose va nous faire être en toi. Oh, la soeur, on va la bateau, on va rappeler la ma belle à bateau. Ici, je m'adresse au frère qui rappelle les mauvais actes. Les ceux qui m'ont dit, qui ça qui? Si la personne s'est humiliée. L'église est bâtie sur le pardon. L'église est tombée à Nicolas Bolin ici. Et ça va nous donner un service libre. Que ce soit qu'il soit dans quel service. Et ta miquit ici devant le Seigneur. Et qu'il s'est rabaissé devant le Seigneur. Alléluia devant le Seigneur. Et qu'il a imploré le Seigneur. À reconnaître la parole. Et qu'il a reconnu la parole. Quand il a dit parole, mensonge. Il avait abandonné la parole, mais il est retourné. Honoré. Il faut l'honorer. L'honneur est pour vous qui le coup est sali pour la vie, mais vous allez continuer. C'est ça un Pierre 2. C'est ça un Pierre 2. Donc, exactement que. Donc, ce n'est pas que. Là où au moni frère, non, zoni dans tes lames là. Lorsque tu vois ton frère retourner sur le bois chaval, comment pour rappeler maman. Et tu commences à lui rappeler ses mauvais actes. Là, ce n'est pas l'église. Les alliés, l'église, c'est le pardon. L'église, les alliés, on l'île ici. C'est
C'est très important. Et ça dit que tu as et que la grâce du Seigneur est à l'icône à mon et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et je sais que le dimanche prochain, que vous en avez besoin à vous voir. La liste là-bas. Il y a bâton, vous avez besoin de postuler la diaconat. Dimanche prochain, nous aurons besoin de ceux qui auront besoin de postuler au diaconat. Nous avons la liste là la haut pour faire un peu enseignement. Après, tout de la liste là la haut. Nous allons prêcher, présenter aussi par haut. Nous allons le présenter aussi. Après, après cela, beaucoup bon. Vous allez élire le diacre. Hein? Papa, nous tombons dans la cave en terre. Mais papa, nous ne tombons pas dans ces cas. Papa, nous tombons, il y a Azana Kati, il y a déjà à considérer les paroles, les paroles. Et papa, nous tombons parmi eux à considérer la parole telle qu'elle. Là, il y a un problème, tu as rencontré qu'on a été. Si là n'est pas un problème, il ne peut pas entrer dans l'état de ce qu'on a fait. C'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que je suis en train de dire. C'est très important toutes ces choses. Et parce que dans la semaine, on besoin d'avoir une parenthèse pour notre la carreau avec amour. Parce que dans la semaine, nous en parlerons aussi avec amour. Et tant que Jésus-Christ a mon qui une femme qui m'a bon maillé. Et lorsque Jésus-Christ avait vu une femme en flambant les lits, on a tardé qu'il avait à Tarisaki. Il avait montré. À tout le monde, c'est Batouana, Babetia, Mapangate. Où sont-ils déjà? Mais quand ils vont à la pilette, Amiba, on est sorti. Et tous sont partis. Jésus-Christ a dit, moi aussi. Amida, il peut. M'a condamné au terrain. Je ne te condamne pas. Mais va. Parce que pêche plus. Au sous, quand il est sous terre. Donc, quand quelqu'un demande pardon, lorsque quelqu'un demande pardon, au famille, tu rappelles la cama. Tu n'es pas pour lui rappeler. C'est parce que Yusuf va se mettre pour rappeler ma peine. Est-ce que tu es aussi à rappeler tes peines? Est-ce que tu as demandé de ma défense? Est-ce que tu subsisteras devant le Seigneur? Bible dit pour ceux qui sont Jésus, le Père qui est notre Père, pardonne-nous nos offenses. Comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous recevons le pardon de Dieu parce que nous pardonnons aussi aux autres. Mais ce qu'on a rappelé, ma péché à moi. Mais si tu es là que vous rappelez les péchés, le Seigneur a dit que mes îles ont mesuré. La mesure avec laquelle tu es. Il y a vos péchés à ma commission. Ce sera avec cette mesure qu'on va te dire. Il y a des questions que vous allez pour rappeler les péchés. Si tu es là pour rappeler les péchés des autres, il t'a rattrapé, il m'a sauvé. Faut aussi terminer, toi, tes regards. Quand nos autres appellent, c'est là que dit Ayo pour tous ceux qui sont. Quand tu rappelles les autres, tu rappelles aussi les siens. Il y a mon gars monté, il y a rappelé à ta péché à mon tour à travers la canaille. C'est pourquoi moi je ne travaille pas avec les serviteurs. Oh, ça la main. Que tu sois à toi, ça spécial. Même si tu es spécial dans ce jeu. J'ai question qu'on ressemble à la soleil qui dit la taille pour les athées. Et quand tu pries, le soleil descend et disparaît. Mais ce qu'on rappelle à ta péché à mon tour. Mais si tu rappelles les péchés des frères. Dans un même sacerdoce. Nous ne sommes pas dans un même sacerdoce. Mais la première chose que yo. Je te dirai toi. Je ne veux pas travailler ensemble. Je ne peux pas travailler avec toi. Je ne peux pas travailler avec le ministère. Parce que notre sacerdoce est basé sur le pardon et Dieu. Pour que la famille se fasse, il faut que la famille ne se fasse pas. Et le sacerdoce est là, le Lévitique, il y a rappel à péché. Le sacerdoce, le Lévitique, rappelle les péchés. Dans mon milieu, on se voit rappeler les péchés. Je te vois rappeler les péchés des autres. Et bien, pour ça, maman, maman. Va, t'y renseigner. La tarot, Lucas, s'assoit. Va chercher l'encensoir et la robe sacrée. Lucas Bonnet. Va chercher la tiare. Amis, nous avons besoin de bonnet dans l'église, nous avons besoin de SSC. Tes amis, nous avons des bonnets dans la tienne, ma bonnet. Tu sais, nous avons besoin de bonnet. 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 Et toi aussi, va chercher les kakenza. Parce que là, ça c'est le sacerdoce. Parce que ça c'est le sacerdoce là que tu es en train de faire. Mais ça c'est le sacerdoce pour nous en avoir. Parce que ça c'est le sacerdoce pour nous en avoir. Assume que la Jésus m'a fait abattre. Dans ton pardon, dans ma limite, on oublie. Après ça, il perd. On exhorte en fait que vie est en bien, ni au son. On exhorte en fait que la vie soit meilleure dans la vie. C'est ça les saints. La bonne des passants. Quand le pardon les gens attaquent dans la mission, quand le pardon est au milieu de nous, le Seigneur a besoin de la mission de notre grâce. Le Seigneur nous fera grâce à tous. À confondre la mission dans les airs bien. Il va nous ouvrir de bons chemins. Et au moment là, que vraiment qu'il les embête à et nous verrons que le Seigneur est bon pour nous.
Nous avertissons toutes nos sœurs. Ose à la moisi à monté. Que tu sois la femme d'un ministre. Ose à la moisi à mondine. Que tu sois la femme d'un fidèle. Ose là ta kaba bijou na kobomba. Et que tu portes des bijoux en cachette. Otia kaba mèche. Et que tu mets des barres de mèche. Au nom de Dieu. Conservez-vous. Attends à moisi à monté. Même si tu es la femme d'un ministre. C'est monté ministère. Nous allons te faire lever devant les gens. Sois précaution. Je ne viens plus. Donc, doctrine
Nous ne faisons pas de compromis avec la dette. Et nous aussi appliquons la dette. Tu ne vois pas pratiquer la doctrine, applique la doctrine. La parole est pour corriger. La parole qui va me corriger. C'est la même parole qui va m'élever. C'est ça la parole. Et que Dieu a beaucoup pas pour la et que le Seigneur Jésus-Christ j'en ai à ça de la et le Seigneur est pas sur la vie qui est dans le service de la maquille je sais qu'il y a un service qui va se passer dans la tête j'en ai à pour son ami et le Seigneur a beaucoup plus et pour le Jésus-Christ a ça la malade et le Seigneur soit avec toi a pour qu'il se vire tout le temps pour lui la vie et qu'il a compris ce qu'on signe dans ta vie. Merci. Nous baissons nos têtes pour rendre grâce à Dieu. Il toujours en place parce que dans la service fait mal. Il faut rester en place parce qu'il y a un service qui va commencer. Au Jésus, merci à l'Agneau qui t'a béni. Merci d'avoir le Seigneur dans tout ce que tu fais. Dieu est Dieu qui est au dessus de tout notre Seigneur. Nous savons qu'avec toi tout est possible parce que ta vie est Dieu passe. Nous amis, mon Dieu, qui m'en est, nous appelons, nous disons, mon Dieu, mon marche. Vous allez ici pour l'ensemble, nous amener à car mon Dieu, le Dieu de grâce. Nul ne peut se mesurer à toi, ma forteresse. Ta droite est si puissante. Nous allons vous élever grandeur, ma yoche. Nous allons vous élever ton nom magnifique. Parce que vous allez Dieu de grâce. Dieu de paix, les dieux saints. Merci, Nagnon, sur le sang, bénis nos bons dieux, au Pessis, sur le sang. Les dieux qui nous ont servis, nous avons des alignons pour nous. C'est ta grâce qui est tout pour nous. Nous allons content pour la Seigneur de grâce. Nous confessons au Dieu de grâce. De paix et miséricorde puissant. Les dieux de paix et miséricorde. Nous allons louer. Sois loué. Sans bénis, comme Jésus. Les dieux de prodige. J'en ai puissant déjà. À chaque fois, on se prépare aussi pour le deuxième culte. À chaque fois, nous préparons aussi pour le deuxième culte. Et nous bénissons le service, mais c'est pour ça que nous parlons de la grâce de Dieu. Et nous bénissons tous les services qui se passent par la grâce du Seigneur. Pour souhaiter du bien à nous, ça nous se concerne. Souhaite du bien à tous les services qui vont se faire. Et que mon corps, mon corps, attend avec fidélité. Et que chacun des serviteurs puisse marcher avec fidélité. Caractère et amener les ministères. Les grands caractères du ministère. Autant nous on a Hébreu 3. Tu vas le lire dans Hébreu chapitre 3. Alors, dit Moïse, Azaraki fidèle dans la maison de Dieu. Moïse, Azaraki, c'est mon Anakoyantzambe. Jésus-Christ aussi, Azaraki fidèle dans sa propre maison. Et Jésus-Christ aussi est fidèle dans sa propre maison. Et sa maison, c'est nous. Pendant qu'on a Ezali, son premier caractère, Yamoné, mais c'est la fidélité. Nous léguons à Moné, Ezali, c'est beaucoup dans Moussa Yantzambe. Et la quatrième. Et la fidélité d'abord dans ce qui est la parole écrite. Donc refuser de tordre la parole, c'est ça d'abord. Il y a beau de et que Dieu vous bénisse. Vous avez qui m'a encore le Jésus-Christ. Tobé Christ, pour le moment, Amen. Kolo azwa lugu. Bati misoni lomana nzama.